せよ。もう12時半だ。シャリーフ、ジョメン、パシリフトス。アナヤという間もなく。クマは襲いかかりたい。今日はもうすっかり一瓶使ってしまったけど、僕の部屋まだ嫌な匂いがする。まるで死骸みたいな匂いだ。サンデル、あの詩を覚えてますか？反乱の子は嵐を探し求む。嵐の中に安らぎあり。Oui, après la vétille plus des roues, l'ours assis sur lui étouffe. Mes bons enfants, mes chers enfants, vous êtes tout ce que j'ai, ce que j'ai de plus cher au monde. Je n'ai rien de bon en moi à part l'amour que j'ai pour vous et sans vous.Il y a longtemps que je ne serai plus de ce monde. Je vous connais depuis le jour de votre naissance. J'aimais feu votre mère. Père est mort il y a juste un an. Un an, aujourd'hui même, le 5 mai.Le jour de ta fête, Irina. Il faisait très froid ce jour-là, léger. Je me disais que je ne survivrais pas, tu étais allongée, évanouie, comme morte. Mais voilà un an de passé et tout cela, nous nous en souvenons si légèrement. Tu es déjà en robe blanche, ton visage resplendit. Je me souviens, pendant qu'il portait père, la musique jouait, on a tiré une salle de cimetière.Il était général, commandant de brigade, et il n'y avait pas grand monde pourtant. Mais il pleuvait ce jour-là, une pluie violente et de la neige. À quoi bon se souvenir? Aujourd'hui, il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais les boulots n'ont pas encore des feuilles. Il a quitté Moscou, je m'en souviens parfaitement, au début du mois de mai. À cette époque de l'année, à Moscou, tout est déjà en fleurs et tiède, inondé de soleil.Je revois tout là-bas, comme si c'était hier que nous étions partis. Mon Dieu, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette masse de lumière, j'ai vu le printemps, la joie s'est mise à remuer au fond de mon âme, avec passion. J'ai voulu retrouver notre patrie. Compte là-dessus. Tout est bon, tout vient de Dieu.
Mais tout de même, si je me mariais et que je pouvais rester chez moi toute la journée, ce serait mieux. あ、そうそう、忘れていました。今日はこちらに我々のために新しい実施会、練習人がご挨拶に来るはずです。ま、ふわ、ふわらびゃめ。いいや。ええ、なかなかね。ただその、奥さんとそのお母さんと娘がわかりますので、おまけのこれ二度目の最後です。あの人は挨拶に行く先だけで、必ず最後に娘が二人いるはずです。こちらでもきっとそう言うでしょう。で、その最後っていうのは、もうなんだか少々低能みたいな人でしてね。未だに髪を娘のようにお下げにして、変に哲学的な大きな声をバカに笑って、しかも、ちょいちょい自殺を企てます。Ah, aujourd'hui, quand je me suis réveillée, quand je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, brusquement, j'ai eu l'impression que tout était clair pour moi, en ce moment, que je savais comment il fallait vivre. Je sais tout. Oui, l'homme doit travailler, quel qu'il soit. Il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul, réside le sens et le but de sa vie, son bonheur, ses enthousiasmes. Oh, que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève à tous les jours et va casser des cailloux sur les routes, d'être un berger ou un instituteur qui les enfants ou un mécanicien, ce que ça veut dire. Oh mon Dieu, il vaut mieux être un bœuf. Je ne dis pas même un être humain, un vulgaire cheval, plutôt que d'être une jeune femme qui se lève à midi, prend son café au lit et met 2 heures à se préparer. Ah, comme c'est monstrueux! J'ai eu l'envie de gagner la vie comme on peut avoir soif quand il fait chaud. Kindo, on va se casser le petit. Et à fond, il faut que l'aide m'en aille aussi. Ma boue a oublié de combattre avec une autre à travers le monde. Alors, ça m'est brutal dans Péterbourg. Kindo, on va se battre avec une autre. Si vous savez qu'il y a une porte, on va être dans le monde. Ma moto, son travail n'a pas été fait. Ça va, 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 ça va. Je ne travaillerai pas, moi. あなたは数に入りませんよ。あと25年もしたら、君もこの世にはいないでしょ。ありがたいことるで。まあ2、3年もしたら、君はしょっちゅうでぽっくりに行ってしまうが、でなければこの僕が感謝を起こして君の額に弾丸を打ち込むってのがオチですね。なあ、君。Et moi, c'est vrai que je n'ai jamais rien fait.Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas levé le petit doigt, pas lu un seul livre. Je sais, je l'ai lu dans le journal, mais il y a eu un nommé d'Ombre Lugov. Mais ce qu'il a pu écrire, j'en sais rien. Dieu sait ce qu'il a pu écrire. Un couvre-verre au bord de l'eau. Se rouvre à une chaîne d'or. Se rouvre à une chaîne d'or. Tu n'es pas bien gueule aujourd'hui, ma chère.Où vas-tu? Je rentre, bizarre. C'est un mot qui m'a eu, on dirait ça. Pas d'importance. Je reviendrai ce soir. Je te le souhaite une fois de plus. Porte-toi bien, sois heureuse. Adieu, ma gentille. Dans le temps du temps de paix, dans nos fêtes, il y avait toujours 30 ou 40 officiers. C'était bruyant, à présent, il n'y a pas un chat. C'est plus calme que le désert.Je m'en vais. Aujourd'hui, je suis dans les mélancolies. Je ne me sens pas bien gaie. Ne m'écoute pas, nous parlerons plus tard. Mais pour le moment, adieu, ma gentille. Je vais marcher un peu. Toi alors? Je te comprends, machin. En a un toyo. Maman n'a que. Comment? On sait que t'as fait. Béchinine, c'est ça. Des hommages, Béchinine. Je suis très heureux de me trouver chez vous. Oh!Comme voilà maintenant. Oh là là! Oh là là! Ne prenez pas, je vous dis, c'est un grand plaisir pour nous. Quand je suis heureux! Quand je suis heureux! Mais vous êtes trois sœurs. Je me souviens trois petites filles, je ne me souviens plus de vos visages, mais de votre père, le colonel Prozorov avait trois filles, que là je m'en souviens, et je vous ai vu de mes yeux vus. Comme le temps passe. Oh là là!Comme le temps passe, Béchinine, tu sais ça. Moscou, à la de Moscou? Vous
vous êtes le vôtre. Oui, de Moscou. Mais votre père était commandant de batterie. Moi, j'étais officier dans la brigade. Votre visage à vous. Je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Figure-toi, le Verginie est de Moscou. Vous devez être Olga Sergeyevna, l'aînée. Et vous, Maria. Et vous, la Benjamine, Irina. Vous êtes de Moscou. Oui, de Moscou. J'ai fait mes études à Moscou. J'ai commencé ma carrière à Moscou, j'y suis resté longtemps en poste et je viens de recevoir une brigade dans cette ville. Me voilà transféré, vous voyez. Votre père. Je l'ai gardé dans ma mémoire. Venez, je ferme les yeux et je le vois comme je vous vois. J'allais souvent chez vous à Moscou. Moi qui croyais me souvenir de tout le monde. Je m'appelle Alexandre Ignatievitch. Alexandre Ignatievitch, vous êtes de Moscou. Quelle surprise! Et nous, qu'allons nous y installer? Oui, oui, nous pensons y être pour notre ami. C'est notre ville natale, c'est là que nous sommes. Rue Vieille Basmanaya. Quelle rue habitiez-vous? La rue Vieille Basmanaya. Ah, merci! Avant, j'habitais rue Allemande. À présent, moi aussi, je me souviens de vous. J'ai connu votre maman. Figurez-vous, je commence déjà à oublier son visage. Nous aussi, c'est pareil, on ne se souviendra pas de nous, on nous oubliera. Oui, on nous oubliera. Notre destin n'a rien à faire. Ce qui nous semble grave, important, très sérieux, le temps venu, ce sera oublié, ça n'aura plus la moindre gravité. Et nous, bien, nous ne pouvons absolument pas savoir à présent ce qui, en fin de compte, va se faire pour élever, pour grave ou pitoyable et ridicule. La découverte de Copernic, ou même de Kuhl, n'a-t-elle pas semblé dans les premiers temps inutile, ridicule, quand je ne sais quelle sort n'a été écrite par le premier rite venu semblait que vérité. Il est fort possible que notre vie à nous, avec laquelle nous faisons si bon ménage, nous semble au fil du temps bizarre, incommode, sans esprit, sans pureté, peut-être même pécheresse. さあ、どうですかね。ひょっとすると現在の我々の生活を交渉できるような敬意を持って思い出してくれるかもしれませんよ。あ、こんにちは。拷問も死刑もなく侵略もないけど、じゃあその一方で一体どれほどの悩みがあるのかと。今日我々が見聞きする悩みは多いことは実に多いんですが、それなりにとにかく既に社会がある程度の道徳的向上を達成したことを物語っています。Oui, c'est sûr. Vous venez de dire, baron, que l'on trouvera de l'élévation à notre vie. Mais pourtant, les gens, ils sont petits. Regardez-moi! C'est Andrei qui joue notre frère. C'est le savant de la famille. Il sera professeur. Papa était militaire et lui, il a choisi la carrière scientifique. Selon les voeux de papa, nous nous sommes trop occupés de lui aujourd'hui. C'est pas bien pour nous. Mais dites demoiselle d'ici, elle va venir aujourd'hui sur toute vraisemblance. Mon Dieu, comme elle s'habille! Ce n'est pas que ça soit laid ou démodé, ça fait tout simplement pitié. Une espèce de petite jupe criarde jaunâtre avec une frange vulgaire comme ça et un petit caraco sur une. Et les joues lavées, mais lavées! André n'est pas heureux. Je ne peux pas croire une chose pareille tout de même. D'ailleurs, non, c'est juste comme ça, pour se moquer de nous, pour faire l'intéressant. Hier. J'ai entendu dire qu'il était proche de voir le président du conseil local. Tant mieux. André, mon gentil, viens ici, il y a 10 minutes. Moi, c'est mon frère, André Sergeyevitch. Merci. Monsieur Roff, vous êtes le commandant de batterie. C'est le savant de la famille, mais il joue aussi du violon, il faut voir ce qu'il le fabrique. Il a des doigts en or. André, vous avez le temps, papa. C'est un genre qui se donne, il s'en va toujours. Viens ici, viens ici. Viens. Nature, pour le seul amour, nous a tous mis au monde à jour. Bon, ça va, ça va. Pardon, une amie, je ne suis pas tout à fait dans mon assiette, mon lit. J'ai lu jusqu'à 4h du matin, puis je me suis bougé, pas moyen de dormir. J'ai pensé à ceci, à cela, puis d'un coup, c'est le jour du soleil qui plein la chambre. Cet été, tant que je serai encore là, j'ai l'intention de traduire un livre de l'anglais. Je sais l'anglais. Oui, avec père, Dieu et son âme, c'était la tyrannie de l'instruction. Grâce à mon père, mes sœurs et moi, nous savons le français, l'allemand, l'anglais et Irina en plus, elles sont même italiennes. Alors, mais à quel prix? Mais dans cette ville, savoir trois langues, c'est un luxe inutile. Et même, ça n'est pas un luxe, c'est une sorte d'appendice inutile comme un sixième doigt. Nous avons beaucoup
de choses superflues. Voyez-vous ça. Beaucoup de choses superflues. Je crois qu'il ne peut pas y avoir au monde une ville si morte et si ennuyeuse qu'un homme instruit et intelligent y soit superflu. Mettons que les 100 000 habitants de cette ville, une ville bien sûr grossière et appelée, des gens comme vous, il n'y en a que 3. Vous ne pourrez pas venir à bout de la masse obscure qui vous entoure, cela va de soi. Au cours de votre existence, peu à peu, vous serez forcé de céder et de vous fondre dans la foule des 100 000. La vie vous étouffera, mais ménagez tout. Vous ne disparaîtrez pas. Vous ne resterez pas sans influence. Des gens comme vous, après vous, il y en aura peut-être 6 déjà, puis 12, et ainsi de suite, jusqu'à ce que des gens comme vous deviennent la majorité. Dans 200-300 ans, la vie sur Terre sera incroyablement belle, éblouissante. L'homme a besoin de cette vie-là. Et s'il ne la possède pas encore, eh bien, il doit la pressentir, l'attendre, rêver, s'y préparer. Il doit par conséquent voir et connaître plus que ce qu'on fait et connu son père et son grand-père. Et vous, vous plaignez de connaître beaucoup de choses superflues. Non, vraiment, tout cela est très bien. Excellent, bien entendu, j'ai envie de faire ça, c'est vrai, c'est vrai. Je me dis souvent, mettons qu'on efface toute la vie et qu'on recommence, mais consciemment cette fois. Mettons que la vie, celle qu'on aurait déjà vécue ce soir, un bouillon, et l'autre, propre. Alors là, chacun de nous, j'imagine, se forcerait de ne pas se retrouver soi-même. Il se créerait au moins une atmosphère de ville à arranger un appartement comme celui-ci, avec des fleurs, avec une masse de lumière. J'ai une femme, deux petites filles. Ma femme, en plus, c'est une personne à la santé fragile, etc., etc. Bon. Et si je pouvais recommencer ma vie, eh bien, je ne me marierais pas. Non. Ma chérie, je vous en prie, je vous en supplie, ne vous inquiétez pas.
gentiment. Ma chérie, ma douce, ils ont bon cœur, ils sont tous gentils et ils nous aiment, vous et moi. Jésus, vous l'avez dit, la société. Oh, jeunesse, oh, belle, oh, merveilleux jeunesse, mon amour, ma douce à moi, ne soyez donc pas si inquiète. Croyez-moi, je vous sens si bien, je vous donne plein d'amour, plein d'enthousiasme. Non, il ne nous voit pas, il ne nous voit pas. Pourquoi? Pourquoi vous ai-je aimé quand je vous ai aimé? Je ne comprends rien. Mon amour, ma douce, ma pure, soyez ma femme. Je vous aime. Je vous aime. Intelligent, important,
Ce n'est plus le cas maintenant, hélas. Oui, c'est vrai. Je tiens bien mon mari. Je me suis faite à lui. Mais les civils, dans l'ensemble, ils sont si souvent grossiers, mal polis, mal éduqués. La grossièreté, elle me blesse. Elle m'humilie. Je souffre quand je vois qu'un homme manque de finesse, de douceur, de tact. Quand je me trouve parmi les professeurs, les collègues de mon mari, je souffre, tout simplement. Ouais. Moi, je crois que c'est sans importance. Civil ou militaire, ils n'ont pas plus intérêt les uns que les autres, du moins dans cette ville. Sans importance. Prêtez l'oreille à l'un de nos intellectuels, civil ou militaire. Il vous dira qu'il ne peut plus supporter sa femme, supporter sa maison, supporter son domaine, supporter ses chevaux. Pourquoi? Et pourquoi ne peut-il plus supporter ses enfants, supporter sa femme? Et pourquoi sa femme et ses enfants ne peuvent-ils plus le supporter, lui? Vous n'êtes pas bien gay aujourd'hui. Possible. Nous avons commencé à nous disputer à 7h du matin et à 9h, je suis parti en claquant la porte. Ce sont des choses dont je ne parle jamais. C'est bizarre. Il n'y a qu'à vous que je me plaigne. Ne m'en veuillez pas. À part vous, vous seul, je n'ai personne. Ce bruit dans le poêle. Peu avant la mort de père, ça grondait dans les tuyaux, tout à fait comme ça. Vous êtes superstitieuse? Oui. C'est bizarre, ça. Vous êtes une femme splendide, merveilleuse, splendide, merveilleuse. Il fait sombre ici, mais je vois la lumière de vos yeux. Et il fait plus clair ici. J'aime vos yeux, vos gestes que je vois en rêve. Une femme splendide, merveilleuse. Je ne sais pas pourquoi, quand vous me parlez comme ça, je ris. Même si j'ai peur, ne commencez pas, je vous en prie. Puis bon, parlez, peu importe, peu importe. On vient parler d'autre chose. Comme je suis fatiguée. これからも毎日電信局まで行ってお宅まで送ってきますよ。10年でも20年でも新たに怒られるまでね。あなた方です。こんばんは。Voilà, de retour. Là, tout de suite, il y avait une dame qui voulait envoyer un télégramme à son fils à Saratov. Elle veut lui dire qu'elle vient de perdre son fils aujourd'hui même.Elle n'arrive absolument plus à se souvenir de l'adresse. J'ai envoyé le télégramme comme ça, sans adresse, juste Saratov. Elle pleure et moi, voilà que je la renvoie, je lui dis je n'ai pas le temps. Ah, c'était si bête, fatiguée. Non, je n'aime pas le télégramme, je n'aime pas ça. C'est vrai que je cherche un autre travail et ne me convient pas celui-là. Ce que...Je voulais si fort. Ce dont je rêvais, c'est justement ce qui lui manque. Un travail sans poésie, sans idée. Il faudrait prendre des mesures, pas quelque chose. Hier, le docteur et notre André sont allés au club et ils sont encore perdus. André, il a perdu 200 roubles. Qu'est-ce qu'on y peut en prison? Ben voilà, deux semaines, il a perdu. En décembre, il a perdu.Ben, il fait mieux que tout perdre, alors peut-être nous partirions de cette ville. Oh, Seigneur, mon Dieu, toutes les nuits je rêve de Moscou. Rêve-vole. Pourquoi ne dites-vous rien, Alexandre Nerkevitch? Je ne sais pas. J'ai soif. Je pourrais bien du thé. Ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Rêve-moi. À quel sujet? Je ne sais pas. Rêvons un peu. Ah, on a dit qu'il y aura près de quoi 200-300 ans d'ici, par exemple. Ouais, ouais, ouais. C'est ma grille de cul, il faut se changer. C'est mieux de voir ce qu'on va faire. Moi, je suis dans le temps de l'être au hacké, c'est ce que l'on a pas passé le cas. Je suis dans la série, ça a été une chose. C'est une chose qui est un peu plus cache. Raza no michi. Ça, je t'ai confié de chaud. C'est une chose qui est une chose qui est un peu plus cache. Ah, l'équipe de la série, c'est une chose qui est un peu plus cache. C'est une Comment vous dire? J'ai l'impression que tout est destiné à changer peu à peu et que tout change déjà sous nos yeux. Dans 200-300 ans, mille ans, si vous voulez, c'est pas une question de volonté, une vie nouvelle, heureuse, comment cela. Cette vie,
là, nous n'en sommes pas, bien sûr. Mais c'est pour elle que nous vivons aujourd'hui, que nous travaillons, que nous souffrons enfin. C'est nous qui la créons. C'est cela seul le but de notre existence, si vous voulez, notre bonheur. Peu ça, mais je sais pas, aujourd'hui, t'arrêtes pas de rire. Depuis ce matin, je ris. Comme j'aimerais vous démontrer qu'il n'y a pas de bonheur, il ne doit pas s'en avoir. Il n'y en aura pas pour nous. Nous devons savoir travailler et travailler. Le bonheur, c'est le lot de nos lointains petits neveux. Alors, dans le cas, il y a tout. Quand vous pouvez venir, vous pouvez aller à la maison de la maison. Je suis pourquoi il m'a trop de temps. Non. Ah. Yo, c'est le bonheur, il m'a pas de temps. Il m'a pas de temps. Ah. Donc, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Bon, voilà, c'est 2,300 年の地どころか、たとえ100万年経ったところで人間の生活はやはり元のままでしょう。やっぱり生活は変化せず、その持って生まれた法則に従って常に一定不変のはずですが、さてその法則は何かということについては、我々の浅い知るところではないし、また根底少なくとも知るときはないでしょう。またに、例えば10段階をそろうと、飛んでいきます。高尚な、あるいは低級な、どんな子孫が彼らの頭に湧いたにせよ、彼らは現に飛んでいるし、この街もここでしょ。たとえどんな哲学者が彼らの中に出てこようとも、彼らは現に飛んでいるし、この街も飛ぶんです。勝手に哲学を並べればいい。俺たちは飛びさえすきゃいいんだ。え、構えぬ、そうそう。ああ、意味がね。今、雪が降っています。何の意味だ。Il me semble que l'un de notre croyant ou ses pensées de l'être, sans quoi sa vie est vide. Vide, vivre et ne pas savoir pourquoi les crues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Soit on sait pourquoi on vit, soit tout n'est que du vent. Gogol a dit quel ennui de vivre en ce monde, messieurs. Gogol a dit quel ennui de vivre en ce monde, messieurs. On m'a dit ça. C'est ça, mais beaucoup de gens ont ça. On m'a dit ça et je ne vous approuve absolument pas, je n'aime pas les civils. On m'a dit ça. Bon, on va vous en faire un peu de temps. On m'a dit ça. Donc, tu me dis beaucoup à la tractation. C'est le nez chaud, tu te dis que tu es un peu de temps. Ça va être un petit peu de temps. C'est une hirou d'avoir une bête de temps. C'est une hirou d'avoir une bête de temps. Bon, je suis un petit peu de temps. Quelle force humaine! Oui, on en a assez de l'hiver. J'en ai oublié ce que c'était que l'été. Heureux celui qui ne remarque pas si c'est l'été ou l'hiver. Si j'étais à Moscou, il me semble que je serais indifférente autant qu'il fait. Ce jour-ci, j'ai lu le journal d'un ministre français. Un journal écrit en prison. Le ministre avait écrit après l'affaire de Panama. Avec quelle exaltation! Quelle joie il évoque les oiseaux qu'il voit à travers la fenêtre de sa prison, lui qui ne faisait pas attention quand il était ministre. À présent qu'il est libéré, c'est comme avant. Il ne fait plus attention aux oiseaux. Et de même, vous ne ferez plus attention à ce qu'on peut en dire. Le bonheur, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons jamais, nous pouvons seulement y rêver. もう目覚めだわ。あの子今日加減が悪いの。ちょっと見て。
相変わらず君はそうやって座って何か考えてるんですね。何を考えてるのかさっぱりわからない。仲直りしましょう。こんにゃくでも一緒にやって。でも君は我々の中に何事が起こっているような、そんな感じをいつも起こすせがないです。君は基準ですけど、それは否定できない。étrange qui donc n'est pas étrange soumets toi à l'écho。 なんだってアレコなんか持ち出すんです。quand je suis seule avec quelqu'un ça va, mais en société je suis sombre, timide et je dis des bêtises。Et pourtant, je suis plus honnête, plus respectable que bien d'autres. Oui, bien d'autres. Et je peux le prouver. Bon, bien. Tu es un peu plus tard. Je suis un peu plus tard. Tu es un peu plus tard. Mais c'est vrai que tu es un peu plus tard.
parti. Le concert vient juste de se terminer. Je n'en peux plus. Notre directrice est malade. C'est moi qui la remplace maintenant. Oh, ma tête. Ma pauvre tête. Que j'ai mal à la tête. Andrei a perdu 200 roubles au quartier. La ville ne parle que de ça. Ma tête. Ma pauvre tête, que j'ai mal à la tête. Oh, demain, je suis libre. Mon Dieu, quel bonheur. Demain, je suis libre. Après-demain, je suis libre. Oh, ma tête, ma pauvre tête. Tout le monde est parti, personne. Moscou! À Moscou! À Moscou! Shakespeare, il dit, Voltaire, pas lu, une ligne, et j'ai fait mine que si,
pourrait transférer notre brigade quelque part loin d'ici. Pour les uns, ce serait la Pologne, pour d'autres, peut-être Chita. Bon, non, Kimacha, Maïjo, c'est le droit de la Pologne sur les fenêtres. Et nous partirons en mille morceaux. La pendule de maman. Possible de maman. Donc, de maman. Peut-être je ne l'ai pas cassé. Peut-être c'est juste une impression que j'ai cassée. Peut-être c'est juste une impression que nous existons alors qu'en fait nous ne sommes pas là du tout. Je ne sais rien et personne ne sait rien. Qu'est-ce que vous regardez ? Natacha, elle a un petit roman avec Protopopov. Et vous, vous ne voyez pas. Vous restez là, vous ne voyez rien. Et Natacha, elle a un petit roman avec Protopopov. Ne voudriez-vous pas goûter de ce fruit-là ? Oui ! Comme tout cela est bizarre au fond. Quand l'incendie a commencé, je me suis précipité chez moi. J'arrive, je regarde. Notre maison est saine et sauve, hors de danger. Mais mes deux petites filles sont sur le seuil, en chemise de nuit. Leur mère n'est pas là. Les gens s'agitent, les chevaux courent, les chiens aussi. Et sur le visage de ces deux filles, l'horreur. L'inquiétude, l'imploration, comment dire. Mon cœur s'est serré à la vue de leur visage. Mon Dieu, me suis-je dit, en auront-elles encore à en tirer durant leur longue vie? Et là j'arrive. Leur mère est ici. Elle crie, elle est en colère. J'ai pensé que ça devait ressembler à ce qui arrivait autrefois, quand l'ennemi attaquait par surprise et pillait, brûlait tout. Et au fond, quelle différence entre ce qui est et ce qui a été. Il s'écoulera un peu de temps et notre vie à nous, on la regardera avec crainte, avec ironie. Et tout ce qui existe aujourd'hui paraîtra lourd et raboteux, incommode et bizarre. Ah, quelle vie ce sera ! Quelle vie vous pouvez seulement imaginer ! Oh, pardonnez-moi, je me suis encore bien philosophé. C'est fou, en ce moment, je suis du bord à ça. Croire que tout le monde dort. Donc je disais, quelle vie ce sera, vous pouvez seulement l'imaginer. Aujourd'hui, dans cette ville, des gens comme vous, il n'y en a que trois, mais dans les générations futures, ce sera un peu plus, et de plus en plus. Et le temps viendra où l'on vivra selon vos souhaits, où tout changera selon vos souhaits, et vous, vous aurez vieilli, et des gens naîtront qui seront mieux que vous. Aujourd'hui, je ne sais pas, je suis d'une humeur particulière. Une envie de vivre de tous les diables. L'amour sous mes crânes aigus et ses élans sont bien heureux. La vie. La la la. La la la. Baron. Baron. C'est la machine, mon père. À la table, on va mettre un peu de chien. À bien, on va mettre un peu de chien. Son grand, son bras, c'est la première fois que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. À la table, à la chine, c'est la どうです。僕と一緒に行きましょう。一緒に行って働きましょう。ニコラコビッチ、sortez d'ici。あなたのお手出し、気がされたら。じゃあ、僕が行きます。こうしてあなたの顔を見ていると、いつやずっといて、あなたの悩みに、あなたが元気いっぱいに開発の様子で、労働の喜びを語ってらっしゃるということを思い出します。僕の未来なんて素晴らしい幸福な生活がありがとう見えていたことでした。
Il m'a
à près d'un mois que j'ai perdu le mien, avec une petite clé à toi, qui a senti gigantesque, c'est commencé à se calmer maintenant. Oh le diable, il m'a mis hors de moi, si tu racontes, je lui ai dit une bêtise, votre excellence. Pourquoi le dis-tu bien, regarde. Il est content, il est content, il est content, je le sais, c'est ce que je veux. On ne bouge pas comme ça, sans que je ne vous en. Vous êtes là, toi, ma chambre, toi, là, tant mieux. Explique-le-moi à cœur vert. Moi, dites-le-moi. Laisse entrer au chat. Nous nous expliquerons demain. Ne sois pas si nerveuse. Je te demande la tête parfaitement froide. Qu'est-ce que vous savez contre moi? Dites-le-moi franchement. Adélie. Voilà. Adieu. Olga, dors bien. Dieu te garde. André, va-t'en. Elle n'en veut plus, il t'expliquera demain. Non, je m'en vais, tout de suite. Premièrement, j'en voulais un attachat à ma femme. C'est une chose que j'ai remarqué depuis le jour de notre mariage. Si vous tenez à le savoir, l'attachat est un être extraordinaire. Moi, non, ma femme, je l'aime et je la respecte. Vous comprenez? Je la respecte. Et j'exige que les autres la respectent aussi. Je le répète, c'est un être droit, énorme, et tous vos petits mécontentements. Pardonnez-moi, ce sont des caprices, rien de plus. Deuxièmement, j'ai l'impression que vous m'en voulez de façon ne pas être le professeur. Travail au CELSFO, membre du conseil du CELSFO. Et cet office, je le considère comme aussi noble et sacré que le travail scientifique. Je suis membre du conseil du CELSFO. Je suis fier. Troisièmement, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai hypothéqué la maison sans demander l'autorisation. En cela, je suis coupable. Et je vous en demande pardon. Ce sont les dettes qui m'y ont contraint à 35 000. Je ne touche plus aux cartes. J'ai laissé ça depuis longtemps. Mais l'essentiel, tout ce que je peux dire pour me justifier, c'est que vous, les filles, vous touchez une pension. Tandis que moi, je n'avais pas, comment dire, de salaire. Mais n'écoute pas. Natacha, vous êtes admirable. Un être droit! Quand je me suis marié, je croyais que nous serions heureux. Tout heureux. Mon Dieu! Mon Dieu! Ça m'est arrivé. Ça finit. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Tu as entendu? On nous prend la brigade. On la transfère de loin ailleurs. Ce ne sont que des bruits. Et nous nous resterons alors. Olga! Bien. Ma gentille, ma chérie, je respecte. J'estime le baron, c'est un homme merveilleux. Ah oui, je me marierai avec lui, j'y consens, mais je t'en supplie, partons à Moscou. Moscou, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Partons, Olga, partons! Ta-d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 a-
préparer. Je vais partir mes bagages cet après-midi. Je me marie avec le baron demain. Dès demain, nous partons à la billetterie et après-demain, ça y est. Je suis dans mon école, une vie nouvelle commence. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ai été reçue avec la main d'institutrice, j'en ai pleuré de joie et de bonheur. Marie est pas gentille, pas tout en or. Vous avez fait du chemin, on ne vous rattrapera plus. Moi, je suis restée en arrière comme un vieil oiseau migrateur qui ne peut plus voler. Voler, mes bien-aimés, voler. Dieu vous bénisse. Dire que demain soir, je ne croiserai plus de Protopopov. Et Protopopov qui reste là-bas, nous savons même ce soir qu'il est venu. Olga, elle a vite visité. Elle est directrice. Elle est occupée toute la journée. Moi, je suis toute seule. Je m'ennuie, je n'ai rien à faire et je déteste la chambre dans laquelle je suis. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Il ne lui m'a donné de vivre à Moscou, et bien à l'aise, c'est le destin. Nous ne pouvons pas aller contre, nous sommes tous dans la main de Dieu, c'est fait. Si que elle m'a tous m'a demandé en mariage. Ma foi, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision. C'est dans notre bon étonnant même de tomber. Et là, tout à coup, c'est comme si mon âme avait des ailes, je suis devenue plus gaie. Je me suis sentie légère et j'ai de nouveau plus envie de travailler. De travailler. Seulement, hier, il s'est passé quelque chose. Une sorte de mystère suspendu sur ma tête. Pas ta caisse, n'importe quoi. いやー何匂いがする。
私が意味で選び上げた。あの城を覚えてますか。さて、春蘭の子は嵐を探し求む。嵐の中に安らぎあり。Donc, c'est le moment de te créer. Où vas-tu? Mathieu et puis Ojigal. Ce n'est pas vrai. Nicolas, pourquoi es-tu si mystérieux? C'est étonnant. S'est-il passé hier à côté du théâtre? 1 heure, donc, on va revenir. Et puis, on va revenir ensemble. こうしていつまで見ても見飽きない。僕はあなたに恋してからもうこれで5年になるけど、まだこの幸運に馴染めない。なんていう匂いからうっとりするような髪の毛だろう、なんていう目だろう。僕は明日あなたを連れて立つ。二人で働いて金持ちになって僕の夢が生き生きとよみがえる。あなたにも喜んでもらえるだろう。ただ一つ、たった一つだけ、あなたは僕を愛していない。Qu'est-ce que tu veux?
J'en ai assez. Mais toi, présent, timon, quand je pense à l'avenir, par contre, quand tout est beau, tout devient si léger, si vaste, au loin. Petite lumière s'allume, je le vois. Mes enfants et moi, je vois la liberté. Je le vois libéré de l'oisiveté, d'une phase, de la folerie, de l'oie au chou, de la sieste digestive et de la paresse. Mais, sœur bien-aimée, mais merveilleuse sœur, ma chère sœur. Dare, soko de okina koe de shabetteru no wa. Ma anata na no Andolusia, soko chika okoshite shimau janai no. Il nous pas perdu. La Sophie est en médecin. Vous êtes en route. Oshaberi ga shitai nara, akachan no okagurima o tareka hoka no hito ni azuketara dou. Je ne parle pas fort. Bobik. Ochabe na Bobik. Itakura na Bobik. Bobik. Mama no namae wa nanti no? Iko iko. Ja kono hito wa? Kore Oyama-san. Oba-san ni itte goran. Konnichiwa. Oya. Par contre, de suite, il faut que j'y aille. Je reçois tout, tout et tout. Oui, Maria Sergeyevna. Tout a une fin. Voilà que nous nous séparons. Nous reverrons-nous un jour? Je ne crois pas. Demain, dans la ville, il n'y aura plus un seul militaire. Tout deviendra souvenir et bien sûr, une nouvelle vie commencera. Je ne voulais pas être directrice et je suis quand même devenue directrice. Donc, je ne vivrai pas un discours. Bon, merci pour tout. Pardonnez-moi si j'ai fait quelque chose de travers. J'ai vraiment, vraiment beaucoup parlé. Pardonnez, ça là aussi. Ne vous souvenez pas de moi en mal. Que dire de plus pour adieu? À quel sujet philosopher? La vie est lourde. À nombre d'entre nous, elle semble murée, désespérée. Mais de toute évidence, le moment est proche où elle sera vraiment tout à fait claire. Il faut que j'y aille. Il le faut. Autrefois, l'humanité était accaparée par des guerres. Son existence entière était prise par des campagnes militaires, des invasions, des victoires. Aujourd'hui, tout cela a vécu et laisse derrière soi un vide énorme que nous ne savons comment remplir. Mais l'humanité cherche passionnément et elle trouvera, j'en suis certain. Vous voyez, si l'on devait additionner l'instruction et l'amour du travail et l'instruction, vraiment que j'y aille. Adieu. Et puis moi. Allô, allô, allô. Ma chère, arrête. C'est l'heure. Un rouvre vert au bord de l'onde se rouvre à une chaîne d'or. Se rouvre à une chaîne d'or. Un rouvre vert au bord. La folle. Un rouvre vert au bord de l'onde se rouvre. Calme-toi, ma chère, calme-toi. Se rouvre à une chaîne d'or, se rouvre à une chaîne d'or, se rouvre à un grand chat vert. Je m'embrouille. Non mais. Je me calme tout de suite maintenant. J'ai plus besoin de rien maintenant. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire, un rouvre vert? Pourquoi j'ai ce mot-là dans la tête? Les idées qui s'embrouillent. Arrête-toi, ensemble, moi, ne disons rien. C'est que je m'en vais demain. Tchotto, Irina. Anata, ashita tatsu no ne. Nagori oshii wa, semeta to ishoukan demo itara dou? Watashi, tsukkari anata to onajimi ni natte shimatta kara. Imasara wakareru to natto, heiki ja sumannai no yo. Wakaru? Surutto, ashita watashi mou hitori ni naru no ne. Mazu te hajime ni ano momi no namiki o kiraseru koto ni suru wa. Sore kara ano kaede no ki mo ne, hi ga kureru to totemo iyarashii sugata ni naru mono. それから私、どこにもかしこにもいろんな花を植えさせるわ。いろんな花を。いい匂いがするわよ。Ils sont beaux.
Ils sont bons, bon, eh bien, bonne route. Où est mon chapeau? Il m'appelle Rine. Mais quoi? Quoi? Rien, je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas possible. Que s'est-il passé? Je le savais. Je le savais. Quelle importance, quelle...